Santé, bonsoir à tous et merci de la fidélité. Elle est la cause de 45% des décès des enfants de moins de 5 ans et touche 4 enfants sur 10 au Bénin. C'est beaucoup, c'est donc très grave, mesdames et messieurs. C'est la malnutrition chronique qui se cache derrière ces catastrophes dans le rang des enfants. La problématique était d'ailleurs au cœur d'un forum de 3 jours à Cotonou, la semaine écoulée bien sûr. Et je reçois sur cette thématique-là, je reçois pour vous le docteur en nutrition Waliou Amoussa, qui est directeur de la formation internationale en nutrition et sciences alimentaires et donc qui est sur cette émission pour plus de précisions sur la malnutrition chronique. Bonsoir monsieur, bonsoir docteur. Bonsoir Juliette. Voilà, donc le deuxième invité est en route, on espère qu'il nous rejoindra au cours de cette émission. On attend donc le spécialiste en nutrition Ambroise Nanima de l'UNICEF qui nous rejoindra sous peu. Pour vous qui nous suivez de la maison ou que vous soyez, sachez que vous avez la possibilité de nous envoyer vos préoccupations par WhatsApp, via WhatsApp, donc au 65 00 24 24. Déjà même au début de cette émission, ou attendre à partir de 15h30 pour vos interventions en direct. Vous pianotez simplement le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 pour poser vos préoccupations, vos questions directement aux invités. Vous aurez réponse donc à ces questions. On commence donc sans tarder. On va d'abord parler de ce forum, ce grand forum qui a réuni à Cotonou pendant 3 jours des experts en nutrition dans divers domaines à Cotonou, des experts étrangers également et des Béninois. Docteur Waliou Amoussa, dites-nous, on va d'abord écouter le docteur Mongo, le professeur Rock Mongo, pardon, qui nous parlera des recommandations, une partie des recommandations issues de ce forum. Il va nous parler principalement du cadre commun de résultats. On va donc l'écouter. Je peux vous assurer que dès la sortie de ce forum, nous allons reprendre le travail en groupe restreint, d'abord au niveau thématique pour approfondir les éléments d'action qui ont été listés, d'abord au niveau des ministères sectoriels, et vu que ce doit être parti d'un cadre commun, reprendre cela en horizontal. Et chaque institution partie prenante à ce forum va améliorer son profil nutrition. La dernière chose que je voulais dire, c'est la destinée du produit qui découlera immédiatement de cette mise en commun. Je peux vous assurer qu'il y a 4 destinations essentielles à ce cadre commun des résultats. 4 destinations essentielles. La première, le gouvernement du Bénin. Le second, c'est au niveau du Parlement. Et le troisième, c'est les collectivités locales, au niveau des mairies. Si ces institutions clés de la nation ont validé ce cadre commun des résultats, il devient une plateforme prescriptive vis-à-vis des partenaires. Voilà, c'était à l'instant le professeur Rock Mongbo, secrétaire permanent au CAN, c'est-à-dire le Conseil à l'alimentation et à la nutrition, c'est bien ça, le CAN, Conseil national à l'alimentation et à la nutrition. Et vous l'avez écouté, on peut dire que c'est un pas là qui a été franchi, un grand pas. Je pense que c'est un véritable grand pas qui vient d'être franchi par ce qu'il a dit. Vous voyez, la malnutrition au Bénin, ça fait longtemps que ça malmène les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, disons les groupes vulnérables de manière générale. Et c'est pour la petite histoire, chacun se tirait le trait de son côté. Tous les intervenants
discussions ne s'accordaient pas sur les approches. Les amis de la santé pensent qu'ils ont la solution, les économes pensent qu'ils ont la solution, les affaires sociales aussi pensent qu'ils ont la solution. Donc chacun essayait de régler la question de son côté sans qu'il n'y ait concertation véritablement. Or, la nutrition est une discipline transversale. Les causes sont multiples et il faudrait être une approche multisecteur, multi-acteur pour pouvoir vraiment juguler le mal. Et on peut se féliciter aujourd'hui qu'au Bénin, ce pas là a été franchi, c'est-à-dire que tous les acteurs, tous les intervenants en nutrition se sont regroupés pour faire table rase du passé, s'entendre sur une approche multisectorielle. Tous les ministères se sont entendus et nous avons créé ce qu'on appelle le CAN, le Conseil national d'alimentation et de nutrition, qui est une structure fédératrice où tout le monde se regroupe dans ce cadre pour ensemble penser à ce mal qui perdure dans notre pays et que l'on voit aujourd'hui par cette malnutrition chronique. Cette malnutrition chronique qui est une forme de malnutrition qui dure dans le temps. Ça veut dire que le mal n'est pas encore déraciné. Et quand vous êtes malnutri aujourd'hui et qu'on ne règle pas le mal, ça vous poursuit durant toute votre vie. Vous allez faire des enfants qui seront malnutris, vous-même déjà peut-être malnutris, donc c'est un cycle infernal, c'est un cycle intergénérationnel, voyez-vous. Donc, si on regarde un peu même les conséquences de cette malnutrition sur l'individu, c'est énorme. Oui, on va parler des conséquences de cette malnutrition-là sur la vie de chacun des enfants qui vont devenir grands et qui vont traîner encore les séquelles de la malnutrition chronique. Justement, qu'est-ce que la malnutrition en général, avant de parler de malnutrition chronique? Pour rester terre à terre, vous avez malnutrition. Donc, malnutrition, quelqu'un qui se nourrit mal. Quand on se nourrit mal, on peut se nourrir mal par excès ou par carence. Et donc, quand vous vous nourrissez mal par excès, vous avez le surpoids, vous avez l'obésité. Mais quand vous vous nourrissez mal par carence, donc insuffisance, vous avez malnutrition par carence, c'est-à-dire qui se manifeste sur plusieurs formes. Vous avez la malnutrition aiguë. Malnutrition aiguë, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu a une petite taille par rapport à son poids. Vous avez une malnutrition insuffisante pondérale. L'individu n'a pas un poids adéquat par rapport à son âge. Et vous avez la malnutrition chronique, oui, où vous avez un individu qui a une petite taille par rapport à son âge. Quand vous le voyez, il a l'air bien portant. Celui-là, la malnutrition chronique, qui s'est beaucoup plus dans le pays, du 40%. Donc, vous voyez, lui, quand vous le regardez, il n'est pas émacié, il n'est pas maigre. Il a l'air apparemment bien portant, mais il est court par rapport à son âge. Quand vous le comparez aux enfants du même âge que lui, il est plus bas. Donc, c'est qu'au Bénin, on n'est pas assez lancé quand même. Mais bien sûr. Et donc, on est tous malnutris, chroniques. Pas du tout. Il y a une différence entre celui qui est court et celui qui est court par rapport à son âge. Vous voyez, il y a une différence. Quand vous avez un âge donné, on attend ce que vous avez, certaine taille. Et quand cela n'est pas rendez-vous, on ne le sent pas. On ne le sent pas. C'est pour ça qu'on dit il ressemble à son grand-père ou à sa tante. Mais quand on va plus loin, parce que ça c'est l'aspect physique, c'est quand on va plus loin. Je prends par exemple le cerveau. Au niveau du cerveau. Oui, les conséquences sur le cerveau sont vraiment. Les conséquences sont multiples sur le cerveau, sur l'économie. Si vous voulez, on peut aller à ce détail-là. Oui, on va en venir dans cette émission. Dans quelques minutes, on viendra donc sur les conséquences au niveau du cerveau et bien d'autres secteurs. Et comment peut-on faire la différence entre une malnutrition aiguë et une malnutrition chronique? Oui, la malnutrition aiguë, elle est présente. C'est pas sur la durée. C'est pendant une période donnée. Voilà, c'est l'instant présent même. Vous avez un poids qui est inadéquat par rapport à votre taille. Malnutrition aiguë. Mais elle peut être aiguë sévère ou aiguë modérée. Elle est modérée quand on peut gérer ça avec, disons, une prise en charge nutritionnelle. Mais quand elle devient sévère, il y a des complications médicales qui sont là, qui faudra gérer les problèmes liés, par exemple, aux infections. Ouais, quand vous avez des infections, vous avez un problème d'anorexie, donc vous manquez d'appétit, vous ne pouvez pas manger. Et donc, il faut régler le tableau des signes liés à la maladie. Là. Et quand vous aurez réglé ce tableau de maladie, où l'enfant peut désormais avoir l'appétit et peut manger, et bien donc, on peut en ce moment faire une prise en charge nutritionnelle en passant par des recettes et les récupérer. Donc, vous voyez, il y a la malnutrition.
sévère. Plus sévère, qui a des complications médicales. Voilà. Et la plus rencontrée, c'est bien sûr la malnutrition chronique. Oui, la malnutrition chronique, elle est dans la durée. C'est une personne qui dans le temps, a accumulé même cette malnutrition aiguillon-pédillé. C'est dans la durée. Vous voyez, la différence, c'est que pendant longtemps, il est resté malnutri, mais il ne règle pas son problème. Et ça s'est étendu dans la durée, au point où il devient malnutri chroniquement, donc sur un long moment. Et là, quand ça se complique ainsi, les conséquences sont à plusieurs niveaux. D'accord. Et comment on les reconnaît? Quelqu'un qui est malnutri chronique, un enfant qui est malnutri chronique, est-ce que c'est seulement la taille? Non, il n'y a pas que la taille. Je vous disais tantôt qu'il y a, par exemple, le cerveau. Si on prend les cellules, je m'excuse, hein, au niveau du cerveau, vous savez, si vous vous rappelez un peu, vous avez les physiquement, axons. Quand on le voit? Bon, quand on le voit, on ne le sent pas, je vous dis. Quand on le voit comme ça, on ne peut pas savoir vraiment s'il est malnutri, c'est une malnutrition chronique. Quand c'est une malnutrition aiguë, ouais, il est émacié, il est maigre, tout le monde peut dire que celui-là il est malnutri. Quand c'est du marasmique, on peut le savoir, mais par rapport à la malnutrition chronique, ce n'est pas visible comme ça sur son corps, c'est par rapport à la taille, c'est la taille par rapport à l'âge qu'il est pas, qu'il est adéquat en ce moment. Et si on doit prendre un exemple, un enfant de 5 ans, il doit faire combien de centimètres, un enfant de 10 ans, pour la petite comparaison? Bon, il y a des références, on pourrait dire, je ne sais pas, tout ça en tête, il y a des références qui sont des normes de l'OMS qui sont établies, et lorsque un enfant a une taille donnée, on s'attend à un âge donné, on s'attend à ce qu'il ait une taille donnée. C'est une taille moyenne, et ce n'est pas lié vraiment à un pays, c'est lié à un ensemble de pays au plan mondial qu'on a établi une référence. C'est beaucoup de données, il faut le dire. Et donc, oui, mais quand on prend un Béninois et un Sénégalais, par exemple, ou bien un Béninois et un Sahélien, ou bien une Béninoise et une Sahélienne, puisqu'on sait que les femmes béninoises sont assez courtes, oui. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'une jeune fille qui n'a pas peut-être 1m60, qui a déjà, oui, 25 ans, est-ce non, que je c'est la malnutrition qui se poursuit non, comme non, ça non, 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 non. On n'a pas dit, par exemple, que les plus courts sont malnutris, les plus élancés. Oui, c'est l'équivoque qu'on veut lever. Parce que quand on ne saurait le dire ainsi. Quand vous prenez un groupe, vous voyez ce qu'on appelle les références de l'OMS. Oui. Ça se fait au niveau d'une population. Parce que pour mettre en place ces références-là, on n'a pas appris que les enfants sénégalais. Au Bénin, en Afrique, on a pris le Ghana. Hein? Il y a le Ghana, il y a l'Asie. Sur chacun des continents, on a choisi un pays pour que les données puissent soient représentatives du monde. Vous voyez, parce qu'avant, c'était que les enfants américains qu'on utilisait pour pouvoir faire des comparaisons. Mais la l'OMS a changé et a pris à travers tous les continents des enfants représentatifs de chaque continent. Donc, le tout mis ensemble donne une valeur moyenne. On ne peut pas dire maintenant que ce sont les cours qui doivent obéir à cela. Non, c'est une valeur moyenne qui est utilisable par tout le monde entier, et non les enfants sénégalais ou bien les pygmées de Wayou. Je ne peux pas vous donner de façon très précise l'âge comme ça de tête. Mais les références sont là, c'est beaucoup d'informations qu'on peut utiliser, mais de tête comme ça, je ne peux pas vous donner pour dire la vérité. D'accord, donc c'est au cas par cas, il ne faudrait pas généraliser, les personnes de taille courte ne sont pas... Non, pas du tout, c'est pas parce que vous êtes courte de taille que vous êtes malnutri. Non, pas du tout, au contraire. D'accord. Non. Ok, et quelles sont les causes? La malnutrition, on va évoquer ses conséquences un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais quelles sont ces causes? Les causes sont nombreuses. Elles sont nombreuses. D'abord, il y a ce qu'on appelle les causes fondamentales au niveau de la société. Oui. Bon, alors, lorsque le système politique, le système culturel ou religieux ne vous permet pas de manger à votre faim, de manger ce dont vous avez besoin à votre faim. Le système politique, donc la pauvreté, c'est ça? Si vous voulez un peu de la pauvreté, si vous voulez, on peut aller sur ce terrain-là. La pauvreté, quand quelqu'un qui est pauvre, il n'arrive pas à manger comme il se doit pour couvrir ses besoins nutritionnels. Chacun de nous, en tant qu'individu, d'homme, par rapport à son âge, par rapport à son sexe, par rapport à son état physiologique, doit pouvoir couvrir ses besoins en énergie, ses besoins en protéines, ses besoins en fer, ses besoins en zinc,
journalièrement à travers les aliments qu'ils consomment. Et donc, s'ils n'arrivent pas à retrouver ces nutriments-là dans ces aliments qu'ils consomment, et que ça peut entraîner ce qu'on appelle une carence. Lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre le niveau journalier recommandé, et cela continue sur plusieurs jours, eh bien, il va tomber dans ce qu'on appelle un état de carence. Oui. Donc, nous mangeons, dans ce que nous mangeons comme aliments, il y a les nutriments. Et chacun de nous doit pouvoir couvrir ce qu'on appelle les besoins recommandés. Vous, en tant que femme, vous devez couvrir vos besoins, par exemple, en fer. Vous savez que les besoins en fer de la femme sont des besoins quand même connus, et vous avez des menstruations, par exemple, et vous perdez du sang. Et donc, vos besoins sont connus en conséquence. La femme qui est enceinte, la femme allaitante, vous voyez, en fonction de votre état physiologique, oui, il y a des besoins spécifiques connus. Et vous devez pouvoir retrouver ces besoins-là, couvrir ces besoins-là à travers les aliments que vous mangez tous les jours. Mais les signes n'apparaissent que dans le temps. Si vous n'arrivez pas, supposons que c'est 20, je prends un exemple, hein, 20 microgrammes qui est le besoin recommandé, et que vous n'arrivez pas à atteindre dans une consommation alimentaire les 20, oui, le premier jour, ce n'est pas encore grave. Le deuxième jour, ce n'est pas encore grave. Mais quand ça a perdu dans le temps, et bien donc vous allez rentrer en carence parce que les réserves que vous avez entre-temps dans votre organisme peuvent être utilisées. Et bien, quand les réserves sont épuisées et que dans la ration quotidienne, toujours, vous n'arrivez pas à couvrir vos besoins, et bien vous allez tomber dans un état de carence. C'est ça, la carence. Voilà, donc c'est le premier point en ce qui concerne les causes. Vous avez parlé de fondamentales. Oui, non, j'ai dit alimentaire. C'est que on n'arrive pas à couvrir au plan quantitatif. Il y a la quantité, mais il y a également la qualité. Si c'est un repas qui ne contient que de l'énergie. Donc il faudrait un repas équilibré. Équilibré. Il faut que le repas soit équilibré pour pouvoir répondre à l'aspect qualité. Donc, il faut à la fois la quantité pour couvrir les besoins et la qualité pour pouvoir couvrir tous les nutriments dont le corps a besoin pour notre mieux-être social, notre bien-être physique et mental. Voilà. D'accord. Merci à vous, docteur Amoussa. Je vais me retourner vers monsieur Nanema Ambroise qui nous a rejoint il y a quelques instants. Donc, on va continuer avec lui. On en est aux causes. Docteur Amoussa a parlé du plan nutritionnel. Il a évoqué ces causes-là. Est-ce que vous avez d'autres causes à ajouter pour nos auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent actuellement? Bon, merci. Bon, certainement, au-delà des causes alimentaires, il y a bien sûr d'autres causes qui peuvent entraîner la malnutrition. Bien sûr. Alors, comme je l'ai souvent dit, la malnutrition s'est définie comme étant l'équilibre entre les apports et les besoins. Bien sûr, il y a d'autres causes qui ne sont pas alimentaires qui peuvent être à l'origine de ce déséquilibre. Okay. Alors, on peut penser très rapidement à la maladie. La maladie, du fait que elle entraîne une perte d'appétit, donc vous mangez mal, forcément vos apports diminuent, et même si vous ne mangez pas, vous mangez suffisamment, il y a certaines pathologies qui entraînent des troubles au niveau de l'organisme qui réduisent donc l'absorption des nutriments que vous avez consommés. Tout cela mis ensemble, la maladie aussi est une cause de malnutrition. La malnutrition chronique. Voilà, oui. Malnutrition chronique comme malnutrition aiguë, toute oui, malnutrition comme, voilà, comme en général, la maladie conduit à la forme de malnutrition due à une insuffisance d'apport d'aliments dans l'organisme. Voilà, merci pour cet apport. Je rappelle que vous suivez Focus Santé sur Océan FM et que dès 15h30, hein, vous pouvez déjà appeler pour vos préoccupations. Je reçois docteur Waliou Amoussa et le spécialiste en nutrition
Ambroise Nanema de l'UNICEF. Donc, on parle de malnutrition chronique. Et on va là maintenant parler des conséquences. C'est vrai que vous avez survolé la question, hein, docteur Amoussa, tout à l'heure, conséquences au niveau du cerveau et sur d'autres plans. Mais on va s'intéresser à celui-là, le cerveau, la malnutrition chronique qui affecte le cerveau. Comment ça se schématise? Oui, en fait, quand vous prenez les cellules du cerveau, il y a, vous avez les axones, si vous voulez, hein, les axones, et puis les dendrites. Hein, faites-vous un peu la représentation. Chez un enfant qui est normal, bon, vous avez les neurones qui sont normales, les ramifications qui sont nombreuses autour des axones. Mais chez un enfant qui est malnutri, vous avez les neurones, là, les neurones qui sont altérés. Hein, les ramifications deviennent limitées et cela va maintenant affecter la capacité cognitive de l'enfant, de l'individu. La capacité à réfléchir, à conceptualiser les choses. Oui, cela diminue sa capacité cognitive. Ensuite, cet individu n'arrive pas à produire comme les autres. Vous voyez, sa contribution à la richesse, même au niveau ménage, au niveau pays, en prend un coup. Et donc, vous voyez, on dit que la malnutrition chronique réduit même le PIB au plan national. Produit intérieur brut. Bien sûr, national. Donc, la malnutrition affecte l'individu lui-même dans sa capacité à contribuer à la richesse. Vous voyez? Et ensuite, cela l'affecte dans sa capacité de productivité. Vous voyez? Et donc, c'est un élément, pas de déséquilibre social, mais un élément manquant dans le développement général du pays. C'est pour ça qu'il faut investir sur l'homme. Lorsque vous arrivez à investir sur l'homme, vous allez inverser la tendance. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Donc, on se rend compte là que c'est un manque à gagner, un enfant qui est malnutri, puisque docteur Amoussa a parlé tout à l'heure du niveau cognitif qui a pris un coup. Donc, l'enfant aura même du mal à s'en sortir à l'école, n'est-ce pas, monsieur Nanema? Absolument, oui. Oui, et comment ça se passe dans le cerveau, entre le cerveau, un cerveau normal, entre griffes, on va dire, un cerveau d'un enfant atteint de malnutrition? Vous en avez parlé énormément lors du forum sur la malnutrition chronique. J'aimerais que vous reveniez là-dessus pour que les auditeurs puissent en savoir davantage. Oui, il faut dire que la qualité du cerveau peut s'apprécier en termes de développement des neurones, dont docteur Amoussa vient de parler. Plus il y a des connexions de neurones, plus le cerveau est à même de développer un certain nombre de sens. Donc, chez l'enfant malnutri, malheureusement, il n'y a pas cette grande connexion. Donc, il y a certaines facultés cognitives qui sont atteintes. Les estimations scientifiques ont montré que chez l'enfant malnutri chronique, à l'âge de 24 mois, oui, son quotient intellectuel peut être réduit de 10 à 15 points par rapport à l'enfant normal, ce qui n'est pas peu pour impacter négativement ses capacités. Il a été démontré aussi que chez l'enfant malnutri, lorsqu'on le met à l'école, en fait, il y a une espèce d'absence et d'incapacité qu'on peut estimer à, par exemple, une année scolaire de perdu. Quand on calcule l'ensemble de ses absences, parce que justement il est malade, parce qu'il ne fréquente pas bien, ça correspond pratiquement à une année de perdu. En plus, aujourd'hui, on a les évidences qui montrent que chez l'enfant malnutri chronique, à partir de 2 ans, le risque d'échouer est 16 fois plus élevé. 16 fois. 16 fois plus élevé que chez l'enfant normal. Donc, si vous prenez le cas du Bénin, où on estime qu'il y a un enfant sur 3, précisément 34% d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique, donc à l'âge scolaire, si vous avez sur 100 enfants inscrits à l'école, vous avez pratiquement 34 qui souffrent de retard de croissance, ça veut dire que vous multipliez donc le risque d'échouer par 34. Donc, ces 34 enfants ont 16 fois plus de risque d'échouer
à l'école que les autres enfants, ce qui est assez énorme. Walu a parlé aussi des conséquences à l'âge adulte. Oui. Aujourd'hui, on sait que à l'âge adulte, par rapport à un adulte normal, l'enfant malnutri et chronique qui devient adulte a une réduction de sa capacité d'avoir des revenus de 22% par rapport à l'adulte normal. Donc, ça impacte sur lui-même son revenu. Sur le revenu ou bien la productivité dans le pays, oui, le développement. C'est ça son revenu à lui, sa capacité de produire ce dont il a besoin. C'est diminué de 22% par rapport à un adulte normal. C'est-à-dire que cette personne ne réagit pas normalement comme tout le monde, c'est ça? Ou bien, c'est quoi la différence? La différence, c'est sa capacité, par exemple, de travailler. Par exemple, même s'il arrive à être un fonctionnaire, il n'est pas productif en termes de rendement. Donc, il a des difficultés dans sa fonction. Évidemment. Parce qu'il n'a pas assez de capacité, comme on va dire, sa faculté cognitive n'est pas assez développée. C'est oui, bien quelqu'un qui s'engage dans le secteur, j'allais dire, privé lucratif, il n'aura pas la même capacité d'ingéniosité pour suffisamment avoir la possibilité d'étendre sa capacité, son entreprise, d'innover, etc. Voilà. Donc, ça se calcule en termes de 22% de perte de revenus par rapport à l'adulte normal. Donc, ouais. Les conséquences sont multisectorielles, autant sur le plan sanitaire que sur le développement assez grave. Donc, vous évoquiez un chiffre tout à l'heure, 34%, docteur Nanima. Et quels sont les autres chiffres par rapport à la malnutrition au Bénin? Par rapport même à l'évolution du Bénin dans cette lutte, on a urdi que le Bénin est en train de régresser, que ça n'évolue pas, que les résultats ne sont pas, les résultats sont inquiétants. C'est vrai, quand on regarde par exemple les progrès du Bénin vers l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, notamment l'objectif de l'OMS, qui est de réduire de 40% le nombre d'enfants souffrant de retard de croissance d'ici 2025. On se rend compte que Bénin a une tendance négative. Ça veut dire qu'au lieu de réduire le nombre de cas augmente. Oui. Et cela s'explique, étant donné qu'on a une prévalence qui est pratiquement constante, stagnante, et parallèlement, la démographie augmente. Donc, même si la prévalence ne change pas en termes de valeur absolue, le nombre de cas augmente. Donc, au lieu de diminuer, effectivement, on a tendance à augmenter, ce qui explique que le Bénin, par rapport à d'autres produits et d'autres pays qui font un effort en termes de réduction. Il y en a dans la sous-région? Oui, dans la sous-région, le pays fait partie de 3 ou 4 pays qui justement, malheureusement, ont cette tendance négative. Ok, donc la plupart des pays s'en sortent pas mal? Je dirais qu'ils s'en sortent pas, mais ils ont une tendance beaucoup plus positive vers la réduction que vers l'augmentation des cas par rapport au Bénin. C'est un peu ça. Mais cela ne veut pas dire qu'ils réduisent suffisamment pour inverser la tendance, parce qu'on a montré que malheureusement l'Afrique est en retard par rapport à certains continents en termes de réduction de l'état de croissance. Il y a le Togo, par exemple, qui est dans cette tendance négative-là, la Guinée équatoriale également, il n'a pas d'être de 3, là. Il y a le Bénin, il y a le Togo, la Guinée équatoriale, qui évoluent dans cette tendance négative. Bon, maintenant, il y a d'autres, il vaut mieux aller vers ceux qui vont dans le sens positif. Oui. Tout le reste, voilà, tout le reste, le Nigeria évolue dans le sens positif, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Libéria. Le Ghana, un tout petit peu également, mais ils ne sont pas dans la négativité, ils ne sont pas dans les moins. Mais ils évoluent quand même dans cet objectif de 2025. Et pourquoi la situation est-elle? Mais c'est parce qu'on n'a pas encore eu des interventions. Vous voyez, les interventions de chacun que nous faisons sont peut-être un peu disparates. On n'a pas un effet synergique aussi. Je vous ai dit tantôt au début de l'émission que il nous faut un cadre commun de résultats. Tous les acteurs s'entendent sur les interventions sensibles et spécifiques à la nutrition. C'est l'une des conclusions du forum de la semaine passée. Voilà, je n'étais pas au forum, mais je sais un peu de quoi il s'agit. Je crois que Nanima y était. Il
pouvoir nous parler un peu de, des résolutions qui ont été prises, mais il faut aller sur ce chemin-là. Et ça ne m'étonnera pas qu'on irait, pas, qu'on irait sur cette voie. On devait réunir tous les acteurs, tous les intervenants en nutrition au Bénin, qu'ils s'entendent pour que chacun puisse dire ce qu'il peut apporter dans son, dans sa, disons, dans son domaine d'intervention en termes, que, en termes de santé, par exemple, ou bien en tant qu'acteur dans le secteur de l'agriculture, ou bien en tant qu'acteur dans le secteur de l'eau. Vous voyez, chacun, compte tenu de sa spécialité, eh bien, apporte son intervention, le tout mis ensemble de façon coordonnée et gérée peut-être par le CAN comme structure fêtière. Oui. Cela pourra permettre de contrôler l'évolution normale de ces interventions-là, qui entre-temps n'étaient pas menées de façon harmonieuse. C'est aussi ça aussi. Hein. Et également, il faut investir sur la nutrition. Vous savez, le Bénin n'avait pas du tout. On peut remercier le gouvernement d'un pays aujourd'hui qui dispose d'une ligne budgétaire pour la nutrition. Avant, ce n'était pas le cas. Combien On consacre combien à la nutrition au Bénin? Vous n'aimeriez pas parler de ça? Non, c'est un peu ridicule, mais excusez-moi. Oui, mais vous avez parlé d'effort. L'effort, oui, je préfère qu'on voit l'effort. L'effort qui est fait. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est une volonté politique. Il faudrait encourager cet effort-là à aller plus loin. Et c'est pour ça que je n'aimerais pas donner le chiffre. Voilà, donc on ne va pas dévoiler ce chiffre ici, mais on va continuer avec les autres pans de cette problématique. La population, justement, on va parler de prévention maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est le plus important. Le mal est là, on ne va pas regarder le lait couler sur le feu et pleurer. Il faudrait agir. Qu'est-ce que les auditeurs, par exemple, qui nous écoutent? Je rappelle que vous pouvez nous appeler hein, au 21 33 84 19 ou au 65 00 24 24. La malnutrition, c'est l'affaire de tout le monde, puisque tout le monde se nourrit. C'est le geste qu'on fait au moins 3 fois par jour. Comment bien se nourrir? Les spécialistes sont sur le plateau. Si vous avez des questions, c'est le moment plus que jamais de les poser. Donc je parlais de, comment dirais-je, de la prévention. La population, qu'est-ce qu'elle a fait dans cette lutte? Je reviens aussi sur l'une des expressions au cours de ce forum. On nous a parlé des 1000 premiers jours de l'enfant, une fenêtre d'opportunité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça, docteur Nanema? Il faut juste comprendre que la fenêtre d'opportunité, c'est celle qui va de la conception, donc de la grossesse, jusqu'à l'âge de 24 mois. Donc de 2 ans. De 2 ans, voilà. Ça fait 1000 jours. Alors, si on pense que la durée de vie est d'environ, enfin l'espérance de vie, je ne sais pas comment elle est au Bénin, mais supposons que ce soit 50 ans, mais j'espère que c'est un peu au-dessus de ça. Voilà. Donc, si vous mettez, multipliez 50 par 365, et dans ça, regardez 1000 jours, c'est très peu. C'est très peu. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité. C'est comme on le dit, c'est une période critique où les interventions en matière de prévention ont le plus d'effet pour empêcher que l'enfant ne soit malnutri et qu'il y ait, il soit un handicapé de demain. Et pendant cette fenêtre d'opportunité, il y a un certain nombre d'interventions qu'il faut apporter. Pendant la grossesse, s'assurer que, par exemple, sur le plan nutritionnel, la femme enceinte elle-même, elle n'est pas malnutrie. Si elle est malnutrie, c'est la possibilité de corriger. Aujourd'hui, on sait que les femmes enceintes souffrent beaucoup d'anémie. Donc, c'est une période, par exemple, où on peut apporter, à travers le régime alimentaire ou à travers une supplémentation sous forme médicamenteuse, de fer pour essayer de corriger la carence, si vraiment son alimentation est incapable d'assurer cela. Mais le mieux, c'est que pendant cette grossesse, la femme enceinte doit manger plus que d'habitude, parce qu'elle-même en a besoin pour son propre organisme, pour maintenir ses fonctions vitales. Elle en a besoin pour assurer la croissance de l'enfant. Elle en a besoin aussi pour constituer des réserves pour l'allaitement ultérieur futur. Donc, on estime quand même qu'il faut encourager la femme pendant cette période à avoir un repas supplémentaire. Vous avez vu pendant les forums qu'on a, on a montré des recherches sur une supplémentation, par exemple, un apport supplémentaire de 1000 kcal par jour,
qui ont montré que ça se répercute sur le gain pondéral de l'enfant à la naissance. Ça améliore le gain de poids à la naissance. Donc, c'est évident aujourd'hui que pendant la grossesse, le régime alimentaire de la femme ne doit pas rester comme voilà, pendant sa période ordinaire, j'allais dire. Donc, ça, c'est un grand effort à faire pour que ces femmes, pendant leur grossesse-là, soit une supplémentation en fer, acide folique, soit une supplémentation alimentaire pour les femmes qui souffrent de malnutrition ou des zones qui connaissent des problèmes d'insécurité alimentaire. D'accord, là c'est la conception et l'enfant naît, c'est aussi un processus, c'est aussi des règles à suivre pour pouvoir bénéficier de ces 1000 jours, ces 1000 premiers jours d'un être. Tout à fait. Alors, dès la naissance, aujourd'hui, on encourage beaucoup à mettre les mains, ce que les mères mettent leurs enfants dès la naissance, dans l'heure qui suit la naissance, de le mettre au sein automatiquement. L'allaitement maternel. Voilà. Pourquoi cela? Parce que non seulement ça va stimuler la production de lait au niveau de la mère, ça va renforcer davantage les liens affectifs entre l'enfant et sa maman. Et la sécrétion de ce premier lait, qui est un lait très vivant, qui contient des organismes qui défendent l'enfant contre les premières infections, et qui contient aussi des substances nutritives qu'on appelle, telles que de la vitamine A, mais aussi beaucoup d'autres minéraux. Donc, il contient aussi des anticorps qui vont aider à défendre l'organisme de l'enfant. Donc, ce colostrum-là, que habituellement les gens ont tendance à acheter, oui, parce que la couleur est jaune, oui, c'est épais, c'est lourd, c'est pas blanc comme le lait ordinaire. Et ça, il ne faut pas le jeter. La nature fait tellement bien les choses qu'en fait, en vivant naturellement, on souffre moins. Donc, si c'était du poison, pourquoi ça sortirait au moment de l'accouchement? C'est pas du poison. Voilà. Je crois que c'est docteur Amoussa. Oui, vous savez, moi j'ai fait une enquête une fois, je n'ai pas cité la région, où les guérisseurs traditionnels interdisaient à aux femmes qui accouchent de donner ce premier lait qu'on appelle colostrum à leurs enfants. Ils disaient que ce lait n'est pas bénéfique pour l'enfant, si on lui donne ce lait, il allait mourir. Alors que c'est le premier lait que Dieu a fait, si on pourrait dire, pour accompagner l'enfant dès sa naissance. Parce que l'enfant, depuis longtemps, il était dans le ventre de sa maman. Et dès qu'il sort, la protection qu'il lui faut pour assurer sa défense, dès qu'il apparaît dans un beau monde, c'est à travers ce lait, au plan qualitatif et sur le plan de la protection, comme il a dit. Et donc ce lait est un lait capital pour l'entrée de l'enfant dans ce nouveau environnement. Et donc après ce colostrum, il faudra encourager les gens à l'aide. Exclusif pour continuer en même temps. Jusqu'à 6 mois. Justement, jusqu'à 6 mois. Nous disons bien allaitement maternel exclusif sans eau. On dit souvent que l'enfant a soif. Non, il y a l'eau dans le lait de l'enfant. Il y a assez d'eau. Donc il faut éviter d'ajouter de l'eau. Sans eau. Il ne faut pas ajouter ni de tisane non plus. Mais tout ça est contenu dans le lait maternel. Non, il n'y a pas de tisane dans le lait. Il y a les éléments nutritifs qu'il faut pour couvrir les besoins de l'enfant pendant les 6 premiers mois. Sans rien manger d'autre, il peut couvrir ses besoins nutritionnels avec son lait, exclusivement. Maintenant, si l'enfant est malade et qu'on lui prescrit des médicaments, il peut prendre ses médicaments. Là, je parle des médecins qui examinent l'enfant et qui vraiment prescrivent des médicaments. Le problème avec les tisanes, vous allez me dire, pourquoi pas ces médicaments également? On ne maîtrise pas le dosage. C'est tout ça. C'est quand on aura maîtrisé le dosage et que tout ce qui a comme conséquence, tout ce qui a comme maîtrise de contenu sera connu, et bien, on pourrait voir, on pourrait discuter, chercher pour voir dans quelle mesure cela pourrait être apporté. Et donc, l'enfant n'a même plus besoin d'autre chose. Vous voyez, l'enfant qui suit l'aliment maternel, est-ce qu'il est vivant? Les épisodes de maladie lui sont épargnés. C'est même économiquement rentable pour le ménage. Un ménage même qui est pauvre, où on ne cherche même plus à donner un autre aliment à l'enfant, et que c'est le lait maternel seul qui lui suffit. Il faut
faut tout simplement s'occuper de la maman et va bien produire le lait qu'il faut pour que l'enfant ait un développement harmonieux. Donc vous voyez, il y a le colostrum et puis après il y a l'allaitement maternel exclusif. Et ce n'est qu'après les 6 mois que le lait maternel seul ne pourrait plus suffire pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. Et il faut passer à ce qu'on appelle maintenant les aliments de complément, les aliments qui viennent compléter le lait maternel. Des exemples? Une bouillie. Mais une bouillie nutritionnellement dense et non une bouillie tout léger. Il y a des bouillies où il y a beaucoup plus d'eau que tout le reste. Vous voyez, c'est des aliments qui constitueront plus tard pas des poisons, mais qui vont entraîner une malnutrition chez l'enfant. Lorsque l'aliment de complément n'est pas riche du tout, et bien donc l'enfant qui. Et pour la richesse, qu'est-ce qu'il faut y ajouter? On peut faire des aliments de complément qui soient équilibrés, qui contiennent à la fois de l'énergie, des protéines, des compléments minéraux, fer, zinc, vitamine A. Et ça peut se faire avec nos produits locaux. Il suffit donc juste de mélanger un peu. Vous avez le maïs. Vous pouvez avoir un peu le soja à côté, vous pouvez avoir un peu le blanc de l'huile là, et de l'arachide, tout cela composé de façon à avoir un aliment équilibré. On n'a pas besoin d'aller acheter forcément le céréal ou bien le bédilac ou tout ce qu'on a. On va leur faire la publicité. Moi je pense que à partir de nos produits locaux, nous pouvons valablement constituer des recettes alimentaires qui pourraient compléter le lait maternel de façon très très adéquate. Il y a beaucoup d'aliments dans nos monde rural que nous côtoyons, mais que nous ignorons. Et d'ailleurs, beaucoup d'études se font dans ce sens aujourd'hui pour pouvoir aider la biodiversité locale ou le disponible dans le village en termes de feuilles, en termes de produits halieutiques, en termes de produits forestiers, pourrait être utilisé dans l'alimentation de l'enfant. Imaginez par exemple dans certaines régions du pays. Il y en a qui préfèrent ne pas manger certains aliments qu'ils pensent appropriés aux pauvres. Ils disent que ce sont les pauvres qui mangent ces aliments-là. Au final, vous voyez leurs enfants malnutris par rapport à celles-là qui comprennent que ben, c'est ce qui est disponible là et elles consomment. Quand on les compare, on voit que ces personnes qui ne négligent pas ces valeurs nutritives locales du terroir, leurs enfants se portent mieux par rapport à eux. Donc, nous utilisons ce qu'on appelle l'approche d'évidence positive. Vous voyez, cette approche-là permet d'identifier tous les aliments locaux qui existent dans la localité pour pouvoir nourrir l'enfant. Et donc, c'est à l'étape recherche, c'est ça? Parce qu'on n'a pas encore les résultats perceptibles. C'est à l'étape recherche des études que vous parlez. Non, mais il y en a déjà, ça se fait. Nous avons eu le projet de la Banque mondiale, le projet PNC, le projet de nutrition communautaire, où ça a été expérimenté dans plusieurs régions du pays. Ça a été fait par exemple à Zère. Ces aliments locaux ont été expérimentés à Zère. Quand je dis aliments locaux, c'est peut-être une recette du genre sauce de moussoum, composée de fritin avec un légume feuille local. Vous voyez comment c'est? Vous avez le poisson, vous avez le dengsunu, qui est très riche en caroténoïdes, provitamine A. Vous avez les légumes feuilles, qui également apportent la vitamine C et la vitamine A. Et maintenant, c'est accompagné d'une pâte, de l'énergie. C'est ça l'équilibre. Il ne s'agit pas d'aller manger au shawarma, là, ou KFC, ou Tromboulé, non. Localement, ces produits locaux peuvent aider également à mettre en place une recette complète, équilibrée. C'est cela le développement. Il faut aller sur ce terrain-là. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport aux aliments de complément qui vont venir compléter le lait maternel pendant 2 ans, par exemple. Il ne s'agit pas d'arrêter le lait maternel. Oui. La femme continue sur son lait maternel et donnera aussi ces aliments de complément qui peuvent être non seulement des bouillies, mais des sauces. Donc, on initie un peu l'enfant au plat familial, mais en faisant un peu attention à ce qu'on lui donne. Sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. D'accord. Docteur Manema, voilà, justement par rapport à l'allaitement pendant les 6 mois, que diriez-vous à ceux qui, pendant ces 6 mois, essaient d'ajouter, on va dire, au lait maternel d'autres nutriments
qui donne à l'enfant ce qu'il doit pas prendre. C'est dommage que pendant cette période, en plus du lait maternel, on essaie de donner d'autres choses. Juste pour dire, il y a des femmes... Peut-être parce qu'elle n'a pas bien mangé, la maman, et bon, le lait ne suffit pas, il faut ajouter peut-être du poisson. Bon, c'est vrai, souvent on entend ce genre de propos, je n'ai plus de lait, je n'ai pas suffisamment de lait, l'enfant a toujours faim après avoir tété, etc. Oui. Mais il faut savoir aussi que téter, c'est une technique. Et la production de lait dépend aussi de la position. Non, c'est vrai. Dépend de la position de vous savez, de l'enfant, de la position du sein. Exactement, de la position de l'enfant, de la manière dont l'enfant prend le mamelon, etc. Parce qu'il y a un phénomène de stimulation à partir du sein qui va jusqu'au cerveau, qui déclenche le phénomène de la production du lait. Donc, si on ne maîtrise pas ces techniques, effectivement, on a tendance à dire qu'on n'a pas de lait, on n'a pas suffisamment donc de lait. Donc, le lait peut être là, mais la position va influer sur le débit et sur la sortie du lait. Exactement, il y a ça aussi qui compte, sans compter le phénomène de la production. Et aussi, bon, l'alimentation de la mère pendant cette période, ça aussi c'est important. Mais ce que je veux dire... Et la volonté de la mère à allaiter aussi. Oui, c'est ça. La volonté. Bon, j'imagine que toutes les femmes béninoises, en tout cas, elles allaitent. Parce qu'il y en a qui allaitent... oui, il y a au moins 90-94% des mères qui allaitent jusqu'à 18 mois. Donc, c'est issu des études. Bien oui. L'allaitement prolongé, c'est assez bien donc on n'a pas de souci à se faire. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais simplement, je voulais dire que les gens parlent beaucoup plus du problème de l'eau, que l'enfant a soif. Oui. Et que, voilà, il faut lui donner de l'eau. Non. Si votre enfant a soif, donnez-lui d'abord le sein. Et faites l'expérience, essayez de lui donner de l'eau après, il va refuser. Parce qu'il n'a plus soif. Et c'est la preuve que le lait suffit pour étancher la soif, mais aussi pour satisfaire à la sensation de faim de l'enfant. Donc, donnez-lui d'abord le sein, et après, si vous voulez donner autre chose, essayez, l'enfant, il va refuser. Parce qu'il a déjà ce qu'il faut. Okay. Voilà. Tout est contenu dans le sein. On est pratiquement au terme de cette émission. Il nous reste encore quelques minutes pour conclure. Je vais m'adresser à vous, docteur Wali Ouamoussa, pour votre mot de la fin. Moi, je me réjouis de la tournure que prend la nutrition maintenant au Bénin, parce que tous les acteurs, tous les intervenants en nutrition sont conscients qu'on doit travailler désormais ensemble. Parce que si la malnutrition continue de sévir, perdure, c'est parce qu'on n'a pas encore tous les bons bouts. On n'a pas encore servi la vraie cause, on n'a pas encore eu les bonnes interventions. Alors, on dit, l'union fait la force. Et donc, tous les acteurs se sont maintenant entendus pour lutter, pour booster cette malnutrition qui continue de sévir. Pour la booster. Booster, même booster. La booster dehors, c'est... et là, l'élaboration de ce cadre commun de résultats. Ça, c'est l'élément fondamental que le programme moral ici. Je n'étais pas comme c'était tantôt. Mais c'est ce qu'on avait prévu. Il faut que nous puissions savoir ce que chacun doit faire. Parce que chacun, dans son domaine, peut mieux contribuer par rapport à ce que c'est. Parce que la nutrition est multisectorielle. C'est une discipline transversale. Vous voyez ? Donc, quand on parle de la malnutrition, il y a de la malnutrition aiguë, tantôt aussi. Vous voyez, il faut d'abord régler les problèmes. D'anorexie, d'infection, ça c'est un médecin qui peut facilement régler ça. Et quand vous descendez vers la sphère de la malnutrition modérée, ça c'est des recettes alimentaires, le médecin peut le faire, l'agronome peut le faire. Vous voyez, chacun de son côté peut jouer son rôle. Et donc, je suis très heureux pour mon pays qu'on ait compris également que la nutrition est au cœur du développement. Vous voyez, quand on comprend que l'enfant qui ne réfléchit pas bien en classe, quand on lui parle, il nous écoute. Ça rentre pas ici, ça sort mal là. Est-ce que c'est sa faute? Un enfant qui est anémique, qui est tout le temps fatigué, quel est le résultat que vous voulez avoir de lui? Il est en train de dormir tout le temps alors que c'est une alimentation qui est pauvre en fait. D'accord. On vous aura compris, docteur Wali, on est déjà à la fin. Il reste encore quelques secondes. On va permettre à M. Nanima Ambroise de l'UNICEF de donner aussi rapidement son mot de la fin avant de partir.
Oui, le mot de la fin, je crois que le forum a identifié des pistes. Et comme nous l'avons tous constaté, le problème du Bénin, c'est qu'on a une faible couverture des interventions qui marchent. Et que le souhait de tous, c'est qu'à l'issue de ce forum, on se mette davantage ensemble pour porter à l'échelle ces interventions. Porter à l'échelle, ce n'est pas, c'est aller au-delà des couvertures qu'on a actuellement, par exemple, allaitement exclusif. Il ne faut pas qu'on reste à 40%, il faut qu'on aille à 60, 70%. Donc, c'est ça qu'il faut faire, couvrir le maximum pour pouvoir inverser la tendance et donner plus de chance à chaque enfant. D'accord. Merci à vous, Monsieur Ambroise Nanema. Merci aussi à vous, Monsieur Waliou Amoussa. C'était Focus Santé. C'était Ulysse Tietema, Semiat Yesufu Rachida Oussou. Merci de nous avoir suivis. Et puis, à mardi prochain.